Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je vous présente quelques applications toutes nouvelles, toutes fraîches sur notre Google Home. Notre Google Home qui s'enrichit de jour en jour et je vous fais profiter des applications que je découvre. Si vous les avez déjà découvertes, n'hésitez pas à mettre en commentaire que c'est déjà fait. Sinon, eh bien, j'espère que ces applications pourront vous aider dans la vie quotidienne. Merci donc de regarder cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, éventuellement de partager avec vos amis et de liker la vidéo. Allez, on part tout de suite sur ces nouvelles applications, minuteur, et on va mettre le feu au Google Home. Ok Google. Parler avec Émile et une recette. Bien sûr, voici Émile et une recette. Salut à toi, je suis Émile et je suis là pour t'aider à réaliser les recettes de ton choix. Donne-moi un nom de recette ou une liste d'ingrédients et je te proposerai une recette de mon catalogue. Comment faire du canard? J'ai trouvé une recette correspondant à ta recherche, papillote de magret de canard aux pommes. Cette recette demande 10 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Pour cette recette, tu auras besoin de 6 ingrédients. Veux-tu consulter les ingrédients ou passer directement à la préparation recette? Consulter les ingrédients. Pour cette recette, il te faudra 420 g de abricots au sirop, 2 pommes golden, 4 cuillères à café de fond de veau, 2 magrets de canard, 4 cuillères à soupe de eau, 1 poivre. On passe à la préparation? Oui. Ok, c'est parti. Demande-moi l'étape suivante quand tu as terminé ou la précédente pour me faire répéter. Préchauffez votre four thermostat 7-8, 220 degrés Celsius. Suivante. Égouttez les abricots et coupez-les en petits dés. Lavez, épluchez, évidez et coupez les pommes en fines lamelles. Suivant. Dégraissez et coupez en fines tranches les magrets de canard. Suivant. Dans un bol, mélangez l'eau et le fond de veau. Suivant. Sur chaque feuille de papier sulfurisé, alternez les tranches de magret et les lamelles de pommes. Suivant. Nappez d'une cuillerée à soupe de fond de veau et parsemez de dés d'abricot. Poivrez et refermez en forme de papillote. Faites cuire dans votre four environ 10 minutes. Suivant. Et voilà, c'est fini. Je suis certain que tu vas te régaler. Reviens me voir quand tu veux pour concocter d'autres recettes. Émile et une recette. Salut à toi, je suis Émile et je suis là pour t'aider à réaliser les recettes de ton choix. Donne-moi un nom de recette ou une liste d'ingrédients et je te proposerai une recette de mon catalogue. Allez, Émile, il va nous mettre le feu à la cuisine. On va lui demander de faire une purée carotte. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller consulter l'application Émile et une recette. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette application sur Google Home que je trouve vraiment très sympathique. On va passer à la deuxième petite application sympa. C'est parti et merci de me suivre. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire une petite relax avec votre Google Home, arrêtez d'être stressé. On va demander à notre Google Home parler avec Relax Guru. Très bien, je vous mets en relation avec Relax Guru. Bienvenue, je suis Relax Guru. Veux-tu te détendre, mieux dormir ou bien réduire ta colère? Mieux dormir. Commençons. Tout d'abord, trouve-toi une position confortable. Maintenant, ferme les yeux. Inspire par le nez pendant 4 secondes. Retiens ton souffle pendant 7 secondes. Réduire ma colère. Commençons. Tout d'abord, trouve-toi une position confortable. Maintenant, ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Voilà, ok Google. Stop.
Voilà une petite séance de relaxation. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment de la journée. Ça peut vraiment être sympa, cool. Et en plus, ça peut faire de l'effet. Franchement, je l'ai essayé. Si vous la testez, ben, dites-moi ça en commentaire comment vous avez trouvé Relax Guru. Allez, et pour la petite dernière, on va lui demander de parler avec Orthographe des mots. Très bien, je vous mets en relation avec Orthographe des mots. Bienvenue sur l'Orthographe des mots. Que puis-je pour vous ? Comment on écrit orthographe ? L'orthographe du mot orthographe est O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-E. Voulez-vous l'orthographe d'un autre mot ? Oui. Je vous écoute. Pépinière. Je n'ai pas compris votre demande. Dites quel est l'orthographe de suivi par le mot que vous désirez. Vous pouvez également mettre fin à nos échanges en disant au revoir. Que souhaitez-vous ? Quel est l'orthographe de pépinière ? L'orthographe du mot pépinière est P, E accent aigu, P, I, N, I, E accent grave, R, E. Voulez-vous l'orthographe d'un autre mot ? Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà donc pour parler avec Orthographe des mots. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à partager avec vos amis, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et on met une dernière fois le feu. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.